Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous présentons les nouvelles caisses 5.11 rigides. Ce sont des caisses qui sont fabriquées aux USA, qui sont toutes nouvelles. Elles sont disponibles en fait en 7 dimensions. 5.11 a décidé de fabriquer ses produits aux États-Unis de façon à avoir une très grande qualité de fabrication et on retrouve ça vraiment dans tous les tailles des caisses. Dans un premier temps, vous avez 4 caisses utilitaires. La première, c'est une taille vraiment très compacte qui est vraiment prévue pour une arme de poing avec ses accessoires. Et ensuite, donc, vous avez 3 caisses de transport pour mettre vos différents matériels, que ce soit de l'armement ou du matériel outdoor pour vos excursions. Donc parmi les principales caractéristiques, déjà on est sur une matière plastique polymère qui est très rigide, très résistante. Toutes les caisses sont dans la même couleur, c'est une couleur qu'on appelle double tape. C'est une couleur que l'on retrouve sur beaucoup de nos produits, notamment des sacs à dos. Donc au niveau des caractéristiques, on va retrouver 2 ouvertures très grandes avec un trou sur l'arrière, donc c'est très facile à ouvrir même lorsqu'on porte les gants. Ça s'ouvre directement sur le haut. À l'intérieur, en fait, on va avoir un renfort en mousse de forme un petit peu ce qu'on appelle coquille d'œuf. Et sur la partie basse, on va avoir en fait une mousse qui est entièrement déjà prédécoupée avec des petits cubes, ce qui fait que vous pourrez organiser entièrement tout votre équipement à l'intérieur en découpant des petites formes pour chacun de vos objets. Vous remarquez ici également des détails, c'est-à-dire que les caisses sont refermables et peuvent être verrouillées avec des cadenas. Et de façon à apporter plus de sécurité, cette partie-là en fait est renforcée avec une partie métallique. Au niveau du transport, on a 2 grandes poignées antidérapantes. Vous mettez votre main dessus, même avec les mains nues, c'est quelque chose qui ne glisse pas du tout. Vous en avez une sur le côté et une sur le dessus. Également pour les voyages, on remarque en fait qu'ici vous avez une valve de pressurisation. C'est une valve qui est automatique, donc vous n'avez pas du tout besoin de la régler. Alors lorsque vous voyagez, que ce soit en avion ou autre, s'il y a des changements de température, vos appareils qui sont à l'intérieur, même si ce sont des appareils électroniques, n'auront aucun souci. Enfin, pour mieux se déplacer, certaines des mallettes, notamment les caisses utilitaires, ont également en fait une poignée trolley. Donc elle est verrouillable à cet endroit-là, on la déverrouille et vous pouvez la lever entièrement et la déplacer. Pour la déplacer, 2 roulettes sont positionnées en fait directement sur le bas de la caisse. Ce sont des roulettes qui sont sur axe. Donc notamment si jamais vous avez un problème un jour avec, vous êtes amené à la casser, ces roulettes-là pourront être remplaçables. Dernier petit détail, au niveau des caisses, le moulage est fait en sorte de façon que vous puissiez superposer les caisses les unes sur les autres et qu'elles ne bougent pas lors du transport. Donc ça, c'est la première partie concernant les 4 caisses utilitaires. Ensuite, 5.11 commercialise également maintenant 3 caisses rigides pour porter des housses à fusil. Ces caisses-là en fait sont disponibles en 3 dimensions. Elles sont disponibles en 36 pouces qui correspond en fait à 91 cm, en 42 pouces qui correspond à 106 cm et en 50 pouces qui correspond à 127 cm. On retrouve exactement les mêmes caractéristiques que sur les caisses utilitaires, à la différence près qu'en plus d'avoir la mousse que vous pouvez retirer, ces caisses sont également compatibles avec les housses à fusil 5.11 donc que l'on commercialise dans les tailles équivalentes. Donc la 91 cm, la 106 et la 127. Donc ces housses sont encore du rat avec un renfort mousse à l'intérieur de façon à venir protéger vos armes durant le transport. Voilà.